Sanctions États-Unis à Canada. T'apprends depuis mois octobre 2022 passé à quoi différents acteurs politiques et économiques de deux pays pour te coigner. C'est qu'on y a gain causé à dernière décision ça que Sénat américain prend. Restez là, m'bral barou plus détails dans yon petit moment. Gouvernement haïtien, précisément ministère des Affaires étrangères, décidé pour retourner la caille Help Monod, qui c'est ambassadeur Haïti au Japon. Ambassadeur là, gon japonaise qui accusé de viol. En bon créole, ambassadeur a l'état en présumé cas de jaquette sous une citoyenne japonaise. Ou pral joindre plus de détails et dans l'espace libre opinion aujourd'hui, il y a un citoyen conséquent qui décidé pour partager ça gagner comme vision, partager ça gagner comme appréhension sous situation pays et proposer des éléments de solution, proposer un plan de sécurité pour aider Haïti faire face avec problème insécurité dans vive jodi là. Bonjour bonsoir tout le monde, bienvenue, c'est un plaisir pour m'avec vous pour me porter émission pour m'a invité ou sous pourquoi abonner à la chaîne là ou sous taxe 509 tout haïtien connecté chaîne information, c'est là où besoin bon genre information sans fausse côté niveau et monter son l'école nous là pour nous apprendre, nous là pour aider à comprendre ça qui a passé en dedans tant que deux pays des poussés haïtiens ou doit rester connecté avec nous pour pas rater aucune information. N'a pas rentré dans l'émission aujourd'hui là avec un tweet. Yon tweet c'est pas n'importe qui est-ce qui fait. J'en ai regardé là où c'est Dimitri Vorb qui fait tweet là. N'a pas regardé ensemble m'a pli pour nous. Tout le monde dit mais commencez chercher trou pour yon fourrer tête yo. Bandi pas légal encore. Yon l'autre bon bay qui attire attention. Gagné secrétaire Anthony Blinken, secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui lui-même qui te font tweet côté li annoncé pral gagner restriction visa qui pral prend contre 5 individus ak 7 nan mon famille cause activité criminelle qui allait à la compte de la démocratie avec règle de droit en Haïti. Moun sa yo y a coordonné action criminelle et dans cadre et dans cadre action qui a fait entre États-Unis et Canada pour renforcer support yo bay peuple haïtien sanction sa yo pral prendre un jour k'ap gen pour venir là yo là n'a regardé tweet Dimitri Vovver li parler bandi pas légal encore. Et qui est nous songe qui termine avec concept bandit légal lancé ancien président Michel Martelly. M'pa kache di nous pendant semaine nan gen kèk moun ki influent, gen kèk journaliste qui influent qui t'a partagé dans couloir que genye yon ancien président qui pral sanctionné ak différents gros nèg qui nan secteur privé des affaires là. Et puis boum, Anthony Blinken vin avec tout ça. Yo pas fait mention vraiment de identité moun yo, mais si n'a plié, si n'a cherché connexité qui gagne entre ça Dimitri Vorb dit avec ça qui annoncé par bon côté États-Unis là, et nous déjà te connait Canada te prend sanction contre Laurent Lamotte et contre Henri Seyan, contre Michel Martelly, États-Unis pour te faire y a plus pour te dire rien. Est-ce que bon bagaille qu'a préparé, est-ce que Dimitri Vorb connait bagaille? Parce que en Haïti là, il y a pile acteur politique, il y a pile monde dans société civile. Là, on paquet de jeunes liste tout qui mettait même Dimitri Vorbza dans liste monde qui a financé gang, qui a financé bandi. Est-ce que yo gen preuve à l'appui? Est-ce que yo gagné et ensemble d'informations? Ça nous pas connait, mais l'essentiel c'est que non si t'es même j'avec un paquet l'autre monde qui gen meilleur trempé dans insécurité. Kounia nous connaît ancien président Michel Martelly qui ça représentait dans balance politique là en Haïti. Est-ce que nous jou kap bien pour venir là yo? Est-ce que nous pral prendre saisissement côté sanction la République tap tonne parce que gen bien longtemps là depuis en décembre, depuis les États-Unis te fin sanctionner, depuis les Canada disons te fin sanctionner et la mort Martelly avec Seyan, pourquoi j'aime gagne qui dit pas bon côté États-Unis parce que soit le moun nan résident permanent bien le moun nan son citoyen américain gon processus gon démarche qui pou faire. Est-ce que c'est pas ça ou gen en fait? Est-ce que nan jou kap gen pou venir là pral tande ancien PE, ancien président, ancien PM la mort et moun sa yo qui te constitue base bandi légal, c'est bandi légal, yo prend la. Est-ce que c'est yo même? Est-ce que c'est avec ça
et Dimitri Vob li fait référence là. En tout cas, nous là n'a suivre. Nous connaissons n'importe quel détail il y a faut partager là avec nous parce que ça n'a vivant de dans pays là question gang question insécurité li pas campé et moun sa yo kap financer gang avec insécurité en tout yo même yo pas décidé bay val yo pas décidé changer comportement yo et bien nous même nous là pour nous dénoncer yo nous là pour nous veiller tout petit détail et bien pendant premier ministre Justin Trudeau lui même il était à participer dans 44e réunion CARICOM non. Te gros paquet discussion, gen gros débat qui fait sous dossier Haïti. Et yon nan bagay ki priorité et international nan moment là, c'est ça yo di, c'est rive aider Haïti rétablir sécurité, c'est rive aider Haïti résoudre crise politique là pour kagwa aller mieux en dedans la République. Mais pendant temps de y a parler de résoudre problème insécurité, résoudre problème politique, États-Unis pas bon côté pas la caille parle nèg yo blié y a fait tout débat autour de sécurité y a fait tout débat autour de crise et gang cap terroriser population fait kidnapping machine insécurité à cap valer terre mais yo pas jambe c'est un problème avec nèg yo pas jambe vin avec vrai problème yo sous table. C'est dit secrétaire d'état américain Anthony Blinken qui le n'a aidé à résoudre et flux d'âme flux et munitions balles qui rentrent en Haïti. Comment nous pral faire ça? Comment nous pral contrôler les douanes? Comment nous pral contrôler les ports? C'est ça qui doit à l'origine de débat. Yo. Mais non, Ariel, c'est qui l'a envoyé blanc, yo, qui l'a envoyé force militaire, etc. Et qui ça nous est qui prend comme décision par bon côté pays Canada? Eh bien, Canada décide là pour envoyer des navires de la marine royale canadienne au large d'Haïti. Nous ne savons pas si c'est pêcheur, nous ne savons pas si c'est poisson qui vient pêcher, nous ne savons pas si c'est lambi, si c'est cribi qui vient pêcher, nous ne savons pas si c'est bandit qui vient pêcher, mais il y a au large des eaux haïtiennes, il y a fait patrouille, etc. etc. Mais, nous connaissons le colonel Imler Rebu, il n'est pas d'accord avec Baraisa. Le colonel là, toujours, on dit genre hostile. Et faut me jouer un colonel là pour nous faire un petit parler sous dossier ça parce que lui-même il pas d'accord toujours d'où comment faire une opération pour le mener et puis dit public tout le monde dit que t'as connu d'ailleurs négizo tout le temps sous l'armée depuis qu'on t'a annoncé ça tout le monde a prêté dans base par un flyboat négizo nég village qui pral sous l'armée encore reprenne donc ça y a vraiment préoccupé et société civile là y a préoccupé un paquet acteurs et politiques y a préoccupé un paquet haïtiens y a préoccupé tout parce que gang empêche de fonctionner dans pays nous gang empêche de circuler en dedans pays nous si vraiment négio voulait faire un bagay pour pays y a voulait faire un bagay pour Haïti. C'est prendre les bonnes décisions, c'est prendre des décisions qui ont abouti, qui ont permis que stabilité retourne, sécurité retourne. Hier, qui s'accrivait dans une bonne repos, un minibus scolaire, bus qui a fait abonnement, ils ont cherché Timoun l'école, et puis, gang canarin a décidé, il a porté bus là, il a pris bus là, il a braqué bus là, il a kidnappé l'école avec lui. Comprendre bien parents qui voient petit l'école, qui connaissent Timoun yon dans où tu as venu, et puis, quoi de bras le mari, parce que, bandit détourné Bussin yo kidnappé tout le monde yo kidnappé Bussin avec lui. Est-ce qu'on comprend ça ou nous pas bagay ça vient tellement fait facile en dedans pays yo rentré dans quotidien nous donc nous seulement accepter nous seulement tolérer yo décidé autorité yo bay yo prend disposition pour changer ça tant mieux yo pas prend disposition à vivre avec comme si de rien n'était mais fuck bagay ça yo fini parce que pays pas pour gang seulement pays pas pour bandit seulement. Et non ça qui est pour avec disposition qui prend par vos côtés États-Unis. Songez dans commencement émission moi dit nous que sanction États-Unis à Canada prend là et tap te commencer prend yo pour que jamais. Effectivement, gagner et comme si jamais yo kon di yo resserrer yo resserrer rang yo. Lien encore de la règle dans kou nèg parce que dans moment n'a parlé là et gagner Sénat américain qui décidait pour réintroduire projet de loi sous sanction qui te prend contre gang, sous sanction qui te prend contre moun ka financer gang, ka financer zak criminel en Haïti, yo décidé pour yo mettre plus pour yo mettre plus bagay dans loi. Pour yon faire loi avin pi taille, pour yon faire loi avin pi du, sanction yon pral pi du, et c'est pas seulement question saisi bien, gelé compte en banque, etc. Dans le jour où nous venir là, nous pral gagner plus de détails sur le projet de loi. Le projet de loi, il y aurait l'AD, Criminal Collusion Transparency Act of
2022. Donc, loi prévoit sanction qui sévère au même titre que loi Manitskian. Loi Manitskian lui-même, yo te prend sous base côté que n'importe moun qui impliqué dans trouble, qui impliqué dans déstabiliser et paysan, qui impliqué dans créer et dans créer zak terroriste etc. États-Unis li ka sanctionne n'importe koto, n'importe citoyen, comme si États-Unis vin ériger en maître du monde. Police du monde, police internationale, n'importe moun ou yal ka sanctionne, le sanctionne russe, li sanctionne citoyen et haïtien yo la, li sanctionne iranien, sanctionne vénézuélien, sanctionne n'importe moun yé a. Automatiquement li juge que ça fait li aller à l'encontre de la démocratie, li aller à l'encontre des principes internationaux. Donc nèg ça remettant les Yuri, les Lambert, les Bodo, qui est encore les Salim Soukar, bon, ancien président privé là ou Canada sectionnel. M'a payé l'argent avec vous, là dans les États-Unis quand même. Là dans les États-Unis même genre avec monsieur Galil là, oui, avocat met Salim Soukar qui était impliqué avec ancien premier ministre Laurent Lamotte n'a acheté paquet de Galil qui était disparaît yo. Donc tout bagaille ça yo, c'est des points de débat, oui, c'est des points de discussion par rapport avec sanctions ça aux États-Unis à Canada prend. L'autre information, j'ai m'étais annoncé dans commencement émission hein, et bien là un scandale qui impliquait un ambassadeur haïtien. Attendez bien. Ambassadeur Health Monod. J'ai regardé nèg là là qui montrait les jeunes gens qui montrait le bien campé à la représenter Haïti au Japon, eh bien, la impliqué dans un scandale viol, côté elle t'a fait cadet Jacques son japonaise. Eh bien, bagay la tellement fait parler en pile au Japon, bagay la tellement fait ou nou. Eh bien, Jean-Victor Généus, ministre des Affaires étrangères haïtien, obligé rappeler. Et ça, c'est un thème diplomatique, là, où yon rappelé ambassadeur. Ça veut dire, côté elle, dans le pays, côté elle t'a accrédité, yon fait le tourner la kaeli, yon relèl pour le tourner dans le pays, peut-être c'est pour yon vin demander le compte, peut-être c'est pour yon pour comprendre, pour pas qu'il y ait trop scandale qui fait sous dossier. Hein? Eh bien, information arrive à joindre nous là. Eh bien, Jean Abgande, ambassadeur Monod là, Monod, lycée ont présumé, car déjà qu'elles sont présumées violeurs. Et nous-mêmes, nous pouvons jamais comprendre pour qui ça. Et moun sa yo qui a pour représenter nous, modèle moun yo a mette pour représenter pays, c'est moun qui tout le temps a impliqué dans scandale. C'est moun moralité ou toujours douteuse. Neglan, li te volé dans pays, li te volé côté li te grandi, nan zone li te grandi, nan quartier li te grandi. Et puis, li anik vini, yon entre Port-au-Prince avec lui, on courant politique beauté là, li vini Port-au-Prince. Et puis, so attendé ya, li geta changé nol, li geta changé façon le parler, li geta changé façon le marché, li politicien. Ou bien, Jean ouais, on mette mon note dans la diplomatie là, l'ambassadeur, le consul, etc. Et puis, boum, scandale pété, il a fait corruption, prix passeport, l'État fixe prix passeport pour moun qui de yon pays, attends, par exemple, si yon fixe li à $60, en dedans et consulat, yon gen pou yon tellement fort marché, yon paye raquette, yon paye passeport à $180. $60 pour l'État et puis tout reste, tout 120 pour yon. Yon a corruption, yon a fait caler Jacques, yon a toute qualité scandale, trafic d'influence, abus de confiance, escroquerie. Mais ou pas jamais vraiment ouais qui ça ministre affaires étrangères a réglé, ou pas jamais ouais qui ça Jean-Victor Généus a réglé. Même moun sa a toujours été dans poste, même moun sa a toujours été en fonction, mais ni plus facile pour nèg yo pour quitter Haïti, monter Washington, aller participer dans sommet, pour quitter Haïti, aller Bahamas, aller participer dans sommet, aller Jamaïque, aller participer dans réunion, etc. Yo préféré à faire tout démarche sa yo, tout show off sa yo, mais jamais régler problème basique pays. Bon, qui sa pral pilèd là? L'op gade nan journal japonais, l'op gade grand titre journal, puis yon dou kon sa, yon ambassadeur haïtien, impliqué nan viol, yon ambassadeur haïtien, suspecté de viol, yon japonaise pote plainte pour yon ambassadeur, yon autorité haïtienne, yon autorité diplomatique qui impliqué nan viol. Mais mes amis, on nous sérieux. En nous sérieux, quand nous avons dit, là, on a dit comme ça, c'est Ariel, là, on a dit, c'est Jean-Victor Généus. Avant, on a dit, ça, qui est compétent, yo même, fort, individuel, fort, monodza,
est-ce que tête li, est-ce que son monde tête droite lié? Parce que si tête li pas droite, m'pa wè qui ça la fait au Japon là. Et d'ailleurs, on prend nèg la ouvre juste au Japon. Qui relation vraiment Haïti gagne avec Japon? Qui ça nous bénéficier de relations diplomatiques de pays yo? Qui ça nous bénéficier dans cadre coopération bilatérale? C'est tellement autorité au fou là. C'est tellement autorité au fou là pour Titon mettre diri, pour Bokit, pour Clorox, pour sanitizer, hand sanitizer, c'est pour ça yo. C'est pour ça yo y a fait toute démagogie ça yo, mettre des séries de incompétents, des séries de monde qui sans moralité dans tête institution yo, notre tête représentation yo, et puis l'obé pété après, yo a cassé faire courir ça, relève tout doucement retourner en Haïti, après yo pral changer, etc. Pour le pas prendre code, pour le pas prendre prison, et puis l'État pral décider là, comme c'est moun pouvoir lire, ben on tire l'argent, yo réparer ça fait là, et puis c'est fini, mais non. Tâche ça yo après, t'es dans représentation, t'es gon certain mot note qui passe, qui voye votre li, li pas ka contrôler, li pas ka contrôler zizi, le vis attendez ya, ka déjà fait. En tout cas, n'a pas suivi dossier de près, de très près, qu'on y a un bras obligé de chercher par les langues japonais, yo, pour moi qui ça yo pral di nan grand titre journal, yo, parce que, faut qu'on même qui a gardé là, faut qu'on gagne, information sur ce qui a passé en dedans la République. Donc, c'est extrêmement important. Et pour être connecté, en attendant, nous prenons parler dans l'espace libre opinion. Nous prenons parler avec M. Donald Philippe, qui lui-même, ligue mot parle pour dire qu'il croit que ça a comme discours, ça a comme message, non seulement aider le pays, il a aidé la société, mais il a aidé tout. Avec moun qui a fait face avec situation difficile en dedans la République, qui voulait quoi non bagay pour quoi que journée jodi an, c'est nous même qui t'ai fait 1804, c'est nous même qui t'ai pris indépendance, c'est nous même encore qui ka refait pays, c'est nous même encore qui ka refait ça nous gen la comme société, parce que c'est pas ni canadien, ni américain, ni français, et reprenn, c'est pas colon bloc pral vin sauver nous, mais c'est nous même qui pou sauver tête nous par rapport avec ça na vive en dedans pays. Dans l'espace libre opinion, j'aime toujours dire, l'espace libre opinion, c'est l'espace qui est réservé pour Haïtiens. Haïtiens conséquents, Haïtiens qui croient au gen mo pa yo pour yo di, yo ont plus, yo ont touche positif, yo capoté dans problème pays, qui arrive et abouti avec une solution. Donc, n'est-ce pas aujourd'hui là, c'est un plaisir pour moi-même pour m'accueillir sur plateau Donald Philippe. Donald Philippe, un haïtien conséquent qui croit non seulement qui a préoccupation mais qui croit discours li gagné, li ka aider à joindre solution dans problème yo, li ka aider pour conscientiser population, pour conscientiser l'autre haïtien, parce que journée aujourd'hui ça cap traverser pays, ça cap traverser société, c'est pas seulement un problème gang cap théoriser population, c'est pas seulement un problème nèg exam et qui a détruit société, qui a metté de l'eau dans gé société, qui a metté de l'eau dans gé population, mais il y a aller au-delà, parce que division ça chire pite ça haine ça qui gagne qui la cause. Haïtien pas vle chita avec haïtien, nous pas vle entendre nous pour nous jouer nos sorties de crise, nous pas vle entendre nous mettez tête nous ensemble, transcender, mettez ti intérêt mesquin nous de côté pour nous bailler pays à chance, pour nous bailler Haïti chance. Et bien faut nous chercher qu'on est qui ça qui à l'origine de problème ça yo et qui ça nous ka fait ensemble tout pour nous jouer une solution problème là pour aller mieux, parce que si n'a constaté vraiment qui quantité débat qu'a fait sous scène internationale là sous dossier Haïti là. Tantôt c'est ONU, tantôt EUA, tantôt CARICOM, tantôt Canada. Et n'a pas gardé sanctions qui continuent à prendre là par bon côté et pays Canada. États-Unis annoncent sanctions pal. Donc, faut nous arriver, jouer quatre sous table, mettez problème sous table, ensemble pour nous chercher solution. Bonjour, monsieur Philippe. Bienvenue dans l'émission Mon Éditorial avec Yannick. Comment est-ce? Yannick, m'a salué tout peuple haïtien indistinctement, m'a salué équipe qui la programmation jeudi. Bonsoir et bonjour. Monsieur Philippe,
c'est sûr que ou faut moi tout dire ça ou de yon pays ou vivre de yon pays même j'ai avec tout haïtien qui en dedans que de yon pays ou constater les gars ou constater ça qui a passé sous scène politique là ou constater problème sécurité qui gagne en dedans pays par rapport avec situation à vivre journée jodi en Haïti. Ou même, qui perception gagne de problèmes politiques ça, hein, qui gère situation d'insécurité qui gagne en Haïti là? Et y a une belle question à poser, moi. Et après le départ des Duvalier au pouvoir, nous, avec le système militaire que nous avons gagné en Haïti, et en, par hasard, par Mabdjo, et que papa lui-même, c'était un ancien colonel des forces armées d'Haïti, et il était un grand militaire, il était fait pile pour la nation haïtienne. Nous, on est venu commencer avec les Anglindo dans le pays. Et nous voyons que la guerre vient dégrader perpétuellement, sans que pas gagner un stoppage, vu que le pays a vint dégradé net avec des gangs. Et bien, système politique en Haïti, hein, et pour nous capables de résoudre le problème sécurité en Haïti, ce n'est pas à chercher, n'est-ce pas, l'autre pays qui pouvait nous aider. Parce que nous avons des ressources pour nous protéger le pays contre les gangs. D'ailleurs, laisse-moi vous dire quelque chose, Yannick. Et situation pays, c'est les politiciens qui mettent dans la rounière là. Parce que nous perdu le système agriculture, non? Nous perdu et tout dans et nous, nous perdu du riz là, Tibonite. Nous perdu presque tout bagaille, c'est seulement n'a pas acheté nourriture en dehors du pays. Politiciens yo a enrichi tête avec le dollar, qui a voyé l'argent presque partout dans le pays. Ils ont gagné un pile pour le premier ministre qui passait sous pouvoir, qui déchappait le pouvoir Haïti. Ils n'ont pas pensé avec l'agriculture. Ils ont gagné des ministres, des présidents qui passaient au pouvoir. Et nous voyons que le pays d'Haïti seulement, c'est seulement la politique. Depuis mon passé au pouvoir, la politique fait revenir riche. On dépourvu de tous les Haïtiens. De tous les Haïtiens, là, dit les pauvres, monde qui n'est pas capable de faire rien pour être payé. Donc, pour sécurité capable de mettre pied, il faudrait que nous commencions à instruire l'école. L'école là, dans quelles conditions pour instruire l'école là? C'est commencer à faire une instruction, ça y aurait les. Et service militaire. Service militaire, c'est pas par exam, parce que faudrait qu'on même personnellement conserve l'administration ou conserve les forces armées. Moi-même, c'est une petite l'armée. Moi-même, moi, fait dans l'armée et me conserve l'armée, moi, c'est un expert en sécurité ou tête pam. Moi, quitté Haïti en 2021 à cause d'un pile problème que me déjoigne. Pile traite contre ma famille, moi j'étais obligé de quitter le pays avec famille, moi, quitter toute bagarre derrière. Et depuis là, ça, m'a vu en dehors du pays et moi au courant, moi j'étais m'a suivre les choses. Monsieur Philippe. Haïti, c'était plus gros pays, n'est capable. Et oui, oui. En question m'a posé, ou parce que ça est extrêmement important. Ou parler fort que pour nous avancer sur l'autre voie avec le pays là, depuis dans l'école, faut que tu aies les services militaires. Pour nous avoir les services militaires, et ne faudrait-il pas que nous avons l'armée qui est opérationnelle avant toute chose? C'est ça que nous avons le vini la donne pour vous là. Ok, parce que nous avons des pères. Nous gagnons un pile soldats qui étaient, n'est-ce pas, dans le pays. Nous avons des experts jusqu'à présent qui sont toujours vivants. Les gens qui étaient passés dans l'armée, toujours là, toujours. Ils ont commencé à grand monde. Ils ont vivre en dehors du pays. Ils ont été à regarder, je parle avec eux. Ils ont été à regarder la situation
insécurité qui dans le pays, a, yo dit moi ça, mais ça que nous avons obligation pour le faire. Obligation pour le faire, c'est pas pour tes âmes dans les timonio. Il faudrait que nous commencions à entraîner les timonio pour nous montrer ce que ça veut dire service militaire dans l'école. Alors, service militaire, là, nous ne pouvons pas commencer dans la classe de 6e, nous commencer dans la classe humanitaire, classe de 3e, secondaire. Okay? Nous ne pouvons pas commencer dans la classe primaire parce que la classe primaire, il y a beaucoup de l'âge assez pour comprendre ce que ça veut dire sécurité. Donc, nous avons un pile soldat qui étaient des experts, qui étaient allés étudier aux États-Unis, en France, dans les autres pays, et qui spécialisaient dans ces relais de l'armée, qui sont toujours vivants. Ils sont capables de venir des entraîneurs, ils sont capables de venir des advisors, ils sont capables d'aviser, ils sont capables de faire des entraînements avec Timoun Sayo pour montrer qu'est-ce que ça veut dire la sécurité. C'est pas un seul de monde qui était passé déjà dans le pouvoir, qui a dit que vous avez un plan de sécurité pour le pays hein, et que le gouvernement n'a pas occupé. C'est seulement l'argent que vous avez besoin pour pour détruire le pays, l'argent que le pays a déjà détruit. Déjà, okay? Mais je vais vous dire autre bagarre encore qui est très important. Pour nous capables, n'est-ce pas, de retirer les gangs comme ça dans le pays, ce n'est pas tuer. Ce n'est pas aller l'autre pays qui vient de la guerre, de balles dans les yo. C'est seulement ça que nous devons faire. C'est commencer avec le système agriculture là. Pour chaque monde, ça que le président Jovenel a fait, il y a mettez balle derrière à son option. Oui, si vous ne pouvez pas obtempérer. La police n'a pas de rien d'avec vous. Bon, oui. De bandits qui ont foncé de bagailles qui sont inacceptables, qui ont tué les gens, qui ont violé les gens, qui ont fait des bagailles inacceptables. Qui est-ce qui mettait là? Ce ne sont que des gens au pouvoir. C'est le monde qui est au pouvoir, yo, à col, yo, qui dit yo, bon, mais ça que ma banou, ma nous âme, ma nous cob, à le dégager. Non. Ça ne se fait pas. Si que c'est notre pays qui est plus avancé, où est un sénateur, un député avec ZAM, à le poté, bah, un petit monde, pour le dire à le dégager, yo, et bien, moun, ça, c'est prison à vie que à Bali. Donc, Haïti, c'est le pays, c'est le seul pays au monde qui est capable de passer au pouvoir, qui est riche, ou pas capable de pas dit que mon n'a pas le droit de un système de vie normal, non, mais où est que nous gagnons des sénateurs qui gagnent des milliers de dollars qui entrent à l'air touché comme étant des gens. Hein? Non, moi dis que yo rentre, yo vin avec des poches touché, yo vin avec bouda touché, et puis yo sorti millionnaire, yo sorti avec un paquet l'argent. Oui. Même j'ai avec le président Nino tout qui était près de 300 000 gouttes dans la caisse, dans la banque. Yo, et puis, il y a près de 20 millions de dollars en banque, côté que y a bien mené, il a caché quoi, derrière des rideaux. Et puis, il y a du monde à le tuer tête. C'est même j'ai avec les autres pays qui ont pris des noirs, qui ont pris des drogues à petit monsieur Sayo, qui ont pris un château, qui ont suivi les noirs, qui ont tué les noirs pareil. Yo. Donc, nous c'est haïtiens, nous c'est même sans cap coller, même sans cap coller dans vain, non. Nous devons mettre nous ensemble pour nous penser à Haïti aujourd'hui. C'est à partir d'aujourd'hui pour nous capables de connaître qui ça que nous prenons demain pour le pays d'Haïti. Ok? C'est pas arrêter l'autre pays étranger. Au cap vin ba nous aide. Mandez un désarmement pour bandits à reformer la vie, pour y aller payer à l'impunité. Donc, il faudrait que nous gagnions un système de sécurité qui est vraiment fort. Parce que sous François Duvalier, sous Magloire, sous Estimé, ou tu es capable de faire des choses comme ça, sous même sous Jean-Claude Duvalier, ou pas capable de rester là 8h du matin, côté de la voie montée, et puis chapeau en tête pour continuer à marcher devant le palais. On a arrêté, on a fait pire au pédité. Donc, pour le moment, nous voyons que aujourd'hui la démocratie, depuis que Aristide finit entre eux au pouvoir, n'importe quel monde qui n'en parle, il nous a la démocratie. Et il n'y a pas même qu'est-ce que ça veut dire la démocratie. Monsieur Philippe, avant nous continuer, et nous avons une question. Je ne veux pas dire là, et
nous censé une seule force en dehors pays parce que moi personnellement pas pas considérer ça nous gain là comme embryon là mais comme une force qui opérationnelle et non seulement li pas opérationnel parce que li pas gain équipement yo pas gain assez équipement yo pas gain assez effectif mais tout le pas opérationnel parce que pas bon velléité pas bon côté autorité l'armée yo pour yo ta permettre à ce que et gagne des séries de soldats militaires qui a la formation yo vini là c'est non coin au météo pas près gros merde ou y a nous gagne PNH c'est lui même qui opérationnel ou saute partager avec nous et moi même m'a considéré comme une projection fait sous un point qui était capable peut-être de rétablir sécurité en dedans pays, introduit service militaire depuis la classe 3e secondaire pour jeunes et élèves, etc. Mais si nous considérons le moment actuel, la Kounia, PNH, qui ça d'après vous-même qui était capable de presser là en dedans institution la police pour réparer tout ça qui gagne en dedans institution, non seulement policiers n'ont pas senti. De point de vue moral, yo pas senti yo ka travay. De point de vue institutionnel et autorité ou état-major CSPN qui censé là pour encadrer, pour mettre plan stratégique, nous pas vraiment qui ça ka fait. En opération Tornade lancé, c'est comme si Tornade l'envie, il pas gagne vent cap suivre li. C'est seulement seul côté vite l'homme malgré gen ti passé mais ka fait dans l'autre et département etc. Mais nous senti pour moment là vrai chef gang yo, chef gang réputé bandi notoire yo, yo pa ébranlé, cœur yo pa sauté, qui ça qui ka fait là rapide avec PNH pour river mettre population en confiance que PNH ka river rétablir sécurité sans que nous pas besoin à compter sous blanc sous communauté internationale là. Belle question, Yanné. Laisse-moi vous dire quelque chose. La police nationale aujourd'hui est politisé. Lorsqu'on peut politiser, et il met la police à faire ça et les services militaires. La police te doué un système judiciaire. Et depuis un bon nombre de temps, nous avons un pile soldat l'armée qui entrait dans la police là. Un soldat doit être un soldat. Un policier doit être un policier qui doit faire service judiciaire, exécuter, n'est-ce pas, des mandats d'arrestation. Service, un militaire, c'est un militaire, il doit préparer pour les désastres et affrontements. Parce que là que vous dites, c'est un soldat, ou c'est un militaire, ou de préparer pour n'importe quelle occasion pour défendre votre nation, pour défendre la patrie. Il n'en a pas question que vous baille en série de policiers et pour aller voyer ou aller mourir, et, tandis que vous pas pris un entraînement militaire. Vous regardez des bandits qui se sont que des bandits noirs, ils ont conseillé de ZAM, non, mais c'est des ZAM côté que ils ont utilisé dans la guerre. Zam sa yo, yo utilisé qui capable tuer près de 50 moun à la minute. Donc, ou pas ka dim pour bay yon policier, yon ti revolver, yon ti 45, yon ti 9 mm pour aller dans la guerre, et tandis que yon pas entraîné pour y aller dans la guerre. Un militaire, c'est un militaire qui t'a doué à affronter des bandits, ça y est. Donc, il faudrait que nous retirions la police là dans le système qu'il y a. Parce que vous savez, les policiers que nous connaissons, ils ne pas même connaître qui gens pour tirer un ZAM même. Ils ne pas entrer dans la police là seulement. Ils ont un uniforme, ils ont un job pour faire. Ils ne pas conserver les services de sécurité. Ils ne pas conserver l'entraînement militaire. Parce qu'un policier, est-ce que vous dire, qui est très important, un policier doit gain entraînement par. Un académicien, comme étant un soldat de l'armée qui entre dans l'armée, soldat de l'armée, ni ça qui est académien, il doit gain même système d'entraînement, seulement ça qui est académie, qui est l'académie littéraire, l'absentie comme étant
un officier des forces armées. Youn qui était entré dans le camp d'application, l'a sorti comme étant un lance caporal ou sinon un sergent ou sinon un sergent-major. Youn soldat militaire qui sorti dans l'académie militaire, il est capable de venir lieutenant général des forces armées d'Haïti. En un mot, laisse-moi vous dire qui j'en que le doué. Un académicien qui sorti dans l'académie, la officier de l'armée, la lieutenant, la vigne premier lieutenant en certains moments de sa vie, la vigne capitaine, la vigne, n'est-ce pas, major. En chaque étape, ça y est, conseil de ZAM que vous devez porter. Ou vin lieutenant-colonel, ou gen un type de zam qu'on capable pote. L'on vin colonel full, ou gen un sorte de zam qu'on capable pote. L'on vin et brigadier général, ou pas de pote zam nan men. L'on si un lieutenant général, ou pas de pote zam nan men. Parce que, ou là pour donner des ordres. Yon soldat, li capable seulement une capitaine et c'est là seulement la capacité comme capitaine n'est pas capable de dépasser capitaine. Ça, okay? On a considéré comme n'a considéré ça monsieur Philippe, n'a considéré ça comme principe, mais dans les faits là, ça nous gagne là comme l'armée. Bah ça on va même pas considérer, on va même pas parler de eux parce que nous avons un groupe nèg là, un groupe femme yo mettez dans l'armée qui pas vraiment qui pas bail résultat. Pays, résultat population, te ka espérer, te ka attendre. Non, mais parce que gang toujours a théorisé, nous gang yon multiplié, foyer criminogène yon multiplié. Kounya, se pa rete non illusion à travers principe yon qui établi, mais comment bagay yon ta doué, c'est qui ça qui ka fait? Et est-ce que d'après ou même avec gouvernement, actuel gouvernement ça qui la, parce que gon paquet et militaire, gon paquet soldat qui nan doré la balle sécurité, est-ce que d'après ou même, dans ce moment-là, nèg politique ou bien gouvernement ça là, ou bien volonté vraiment pour résoudre le problème de sécurité, hein? Avec ça, nous gagnons comme force en dedans pays, sans que ce n'est pas blanc qui peut débarquer. Moi, parler avec Ariel Henry. Ça, le doux dans le dossier ça. Partagez avec. Il dit que l'on forme. Et que le travail pour ainsi la mettre le pays sur les rails de sécurité. Donc, c'est ce qu'il m'a dit, nous t'ai parlé. Et laisse-moi vous dire encore, moi, il faudrait que nous retirions la police là, l'ensalier là. Il faudrait que nous ayons un entraînement solide avec ces militaires qui campaient bon département et des quartiers généraux des forces armées d'Haïti. Qui se sont mis là, qui était bon département de la défense. Et, Abdio, ils ont militaire, c'est lui-même, ils ont soldat de l'armée, ils dédouaient ministre de la défense. Maintenant, nous avons un docteur que je connais très bien, qui est le ministre de la défense, qui n'est pas même conservé pour ton ZAM. OK? Donc, nous voyons que une situation. Et crabe qui mêlé avec poisson, un bagaille qui mélangé. Docteur Ariel Henry, il n'est pas vraiment connaît ça l'a fait. Et qui sont conseillés dans le cas ça? Qui sont conseillés pour le faire payer dans le cas ça? S'il va avoir résultat. Qu'il donne sa démission. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Il choisit. Qu'est-ce que je vous dis? Pour payer, est capable de venir vivre. Dans le système de sécurité. Il faudrait que, premièrement, nous ayons un président élu pour les peuples là, pour l'aller. Et Ariel Henry n'est pas supposé dire que le bois fait élection. Il doit être capable d'organiser un CEP, il doit être capable d'organiser, n'est-ce pas, ça a les bases là pour commencer à bailler. Mais c'est le président qui doit donner l'ordre pour le peuple là aller et voter bulletin, la guerre bulletin. C'est d'après la constitution, comme constitution heureuse pour le moment, non pas une constitution qui a pas géré. Mais c'est ça, vraiment. Parce que nous, actuellement là. Oui, vraiment.
Parce que actuellement là, mon yon tendance pour yon dou, situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Nous avons plus que 18 mois là, depuis situation exceptionnelle, mais yon pa jamais essayé mettre tête ensemble pour yon résoudre le problème. Non, mais au contraire, yon préféré accommoder la situation exceptionnelle. Nous pas qu'on est 2 ans là pour être exceptionnel. Nous pas qu'on pour combien de temps nous là. Et Ariel Henry, et décision, et volonté internationale là, c'est arrivé faire élection, n'importe qui moi, possible. J'ai passé beaucoup d'années à travailler avec les Blancs aux États-Unis. Moi, quand ils ont fonctionné, ils ont mis Ariel Henry et même gens qui ont mis là, comme ça, ils ont vu une prendre tout, ils ont humilié. Ok? Moi-même, comme étant un Haïtien qui connaît qui vient Blanc au travail, à chaque fois, je avec aucun Blanc. Je toujours dit aux langues, et peut-être ça que je passe près de 29 ans, je travaille pour une chaîne d'hôtel, que je ne peux pas me permettre de dire comme ça que dans un goût, une chaîne d'hôtel qui est internationale. C'est comme ce travail-là que je commencé par finir high school, parce que j'avais laissé le pays en septembre 79. Je suis aux États-Unis, je commence à travailler pour dans le bas âge, pour une chaîne d'hôtel Marriott et mal l'école. Okay. Moi, je dis encore, côté que Ariel Henry là, c'est les États-Unis, le Canada, qui mettait la côté là. C'est ça qui fait que la fait monter du sang comme ça, j'en veux. Moi, les gens que je mets avec, moi, je dis, faites attention. Parce que même ça, nous, qui est arrivé, monsieur Père Éternel là, il est capable de briser tout. Je dis, monsieur, je suis là la caille. Je dis, monsieur, vous commencez, trois bonheurs, je suis là la caille, pas sorti encore. Il dit, mettez dans le nord, je dis, rentrez la caille, pas sorti. Donc, parce que le pays a une insécurité infernale là-dedans. On y a. Blanc, moi, je dis que le mettez Ariel, la vie prend Ariel, la vie met le président Pal, la vie met le premier ministre, et puis boum, et puis bandit a terminé. Bandit a fini. C'est ça qui pourrait le faire très bientôt. Il a retiré Ariel, il a pris, on va commencer à parler. Et monsieur, il a dit conseil que le directeur général de la police nationale, n'est-ce pas, Léon Charles, monsieur Léon Charles, qui était le président, l'ancien directeur de la police nationale, ce jeudi-là, il a affirmé que le groupe d'ASEAN était formé de 2 citoyens américains et de 26 colombiens. Tandis que le président, il a fait connaître que le président Jovenel Moïse était mort avant Colombien était venu. Et il a fait connaître tout que le conseil de Colombien jusqu'à présent qui est en fuite. Côté information, ça oui. Information, ça oui. Information ça, monsieur Philippe. Information ça, monsieur Philippe, ou là? Vas-y. Information ça, c'est des informations, officieuses parce que information officielle yo et toute information ça dans rapport de CPJ, information ça partagé son paquet et chaîne de formation internationale et ça au bail là, c'est des informations officieuses bail en table. Oui, commando, ce n'est pas commando colombien, c'est pas quelqu'un qui sortit dans le CIA, ce n'est pas quelqu'un qui sortit directement du département de la justice, de bagaille anti-drogue américaine, et c'est bagaille que tout le monde connaît. Il y a des vidéos qui à Washington, même avant la mort du président, de la mort du président. Parce que vidéo ça, quand le président est entouré avec caméra, où sont ces caméras? FBI est venu, il te prend serveur, il te allé. Il n'y a pas connu. Qu'est-ce qu'il te prend? FBI, après assassinat président, il te montre FBI est venu, il prend les serveurs, il prend pas quelques autres bagages, il te pote y aller. Donc, nous pensons tout matériel ça aux États-Unis dans moment là. Sous quel autre détail partager avec nous? L'ambassade d'Haïti à Washington. Bon, OK, pour la sécurité du pays, nous avons besoin
n'est-ce pas, les forces armées d'Haïti qui pourraient en vigueur. Nous pas besoin la police nationale qui pas carré en rien pour défendre, pour arrêter monsieur. Ou on va dire tuer monsieur, non? Nous besoin d'une force de l'ordre. M'a dit que nous besoin d'avion, hélicoptère pour aller pour monsieur. Nous seulement besoin d'aide vraiment, oui. Mais nous avons assez d'équipement en Haïti. Bon, nous avons un groupe de police au camp. Nous avons un groupe de police, Jacques-Mel. Un groupe de police au camp. Nous avons un paquet de policiers. On nous réunit tous les policiers ensemble, avec toutes les armes qui sont dans le dépôt, qui sont habitués à venir, les armes qu'on saisit, qui chargent avec. Et puis mettez monsieur dehors dans chaque coin du pays, et puis servez et puis d'accès toute sécurité, tout monsieur Sayo. Il faudrait qu'on arrête monsieur. Qu'on arrête, moi tout ça. Arrêtez, mettez-vous en prison, al bayo con correction sincère pour connaître que ça a été fait, c'est pas bon. Et il faut arrêter monsieur à colle. Et ça fait me dire que nous pas besoin de tuer ti monsieur Zayo, c'est eux même qui pour bail vérité yo, c'est eux même qui pour dire côté yo tes jeunes âmes Zayo, yo pas de fait bandit, faudrait que yo dit comment yo fait une bandit côté cob kidnapping que yo t'ai fait. Moi même son sujet de nous capable dire que sont victimes de la situation du pays, sont victimes. Hein, ils sont victimes. Et là, nous sommes victimes, non, ça me fait mal. Ça me rend, n'est-ce pas, et on dit, je suis méchant pour moi que pour me faire mal, mais je suis obligé de calmer parce que nous avons besoin qu'on ait exactement même je que nous avons cherché. Monde qui tue Jovenel Moïse, monde qui fait acteur principal là, c'est comme ça que n'a besoin de parler avec M. Sao Mario, bah au courant électrique pour vous parler, pour vous dire qui est-ce qui mette dans le bandit ça, qui est-ce qui joue un bandit, et puis M. Sao, pour vous connaître, pour vous pas changer de politique encore, pour nous fermer en prison. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous connaissez que vous n'êtes pas capable d'assurer une position, et puis vous allez poser candidat pour position ça, ou vin gagner position ça, et puis c'est mal pour le faire contre la nation. Je n'ai pas gardé Delma, je n'ai pas gardé Kafou, ma patrie, pays côté fait là, vignon on déchet, vignon poubelle. Comment pour un côté que me fait pour me pas aimer que je viens développer. C'est monde qui fait payer ça mal. Ce ne sont que des méchants, le pas haïtien. Faudrait que monde ça yo arrêter dans le pays d'Haïti encore. Faudrait que yo aller dans pénitentiaire nationale. Faudrait que nous une prison spéciale pour yo. Monsieur Philippe, nous allons prendre trois dernières questions pour nous finir. Et est-ce que vous pensez l'étape important pour yo rétablir peine de mort en dehors du pays? Est-ce que nous besoin ça dans moment là? Si t'as gagné une réforme constitutionnelle qui t'a faite, est-ce que c'est bon pour yo remettre peine de mort là d'application d'après vous-même? Les États-Unis étaient bas Jean-Claude Duvalier en 73 en pile pression. J'ai dit Jean-Claude, écoutez, si qu'on va retirer le système de peine de mort là, fusillade, pendaison, non pas bon aide. Il a fallu lui signer un document pour lui dire bon, ok, pas de problème. Il avait le même préval, il venait avec le système d'extradition des Haïtiens dans les autres pays du monde. Donc, ce n'est pas normal. Il faudrait que nous gagnions la même situation qu'il y a aux États-Unis, côté au Bayo, mettez vacabre dans la chambre de gaz, côté au Bayo, j'écris tout le monde, et côté qu'en Afrique, les gens font crime pendant. Sur place publique. Nous gagnons une belle place publique. Place et champ de masse. Nous faisons tourner et on zone, même genre avec Saddam Hussein, pour commencer à prendre un vagabond qui a fait du mal à la nation haïtienne. Pays d'Haïti, là qu'on pays comme ça, qui était belle, qui était la perle des Antilles, on peut nous blaser comme ça. On mérite peine de mort, on mérite pendaison.
Non. Pendant débat sous peine de mort là, mais faut nous pas oublier les réseaux droits moun yo présent, yo vivant à veiller. Si on moun ta rin avec bagay ça là, non réforme constitutionnelle en vérité, il y a pas ta cour, il y a pas ta pour depuis en l'air, oui. Il y a pas quitte au passé. Laisse-moi dire quelque chose. Aux États-Unis, en France et au Canada, dans les pays les plus avancés, il y a un bagage qui est l'exécutif order. Un président n'a pas besoin de venir avec. Bon, la constitution, il est supposé. Constitution n'est pas bon. Donc, on va le baser sur la constitution, on va le baser sur ce qu'on appelle executive order. Executive order, on nous allie. Jovenel t'a utilisé lui pour te passer loi. Ok? Mm-hmm. Un président doué au pouvoir, comme le premier ministre Paravel, qui dirait bah, comme une négativité, mais c'est seulement pas de venir de sécurité et dans la nation. Dans mon pays, peine de mort pour nous recommencer avec nous. La chambre, ou t'es président, ou t'es ministre, ou après même pour. Monsieur Philippe, communication pas fin trop bon. Ou t'en dîmes, allô? Oui. Ok. Moment. Mais qu'on y a, par rapport à même. Il y a un système. Allô? Faudrait que nous ayons un système de justice pour pays à bail. Moi, ma voix, ma 100%. Moi, t'as dit que c'est vrai, gain plaidoyer qu'a fait et pour gain réforme qui fait dans système de justice. Mais le n'a gardé en Haïti, tout bagaille c'est politique. Nèg qu'a fait politique qui dans gouvernement, yo gain influence par yo. Nèg qui dans opposition, yo gain influence par yo. Nèg qui gain blanc derrière yo, yo gain influence par yo. Donc, nous nous trouvons dans une situation, son bataille politique, son ring-hang politique et c'est moun ki gagne plus bois de banane nian, c'est lui même qui a passé avec ça le gagne dans tête comme vision et vision nèg sa yo majorité nèg ka fait politique à terre en dedans pays an. Vision yo c'est pas vision populaire qui ka porter des réformes des changements vraiment vision nèg sa yo pa plus loin que point nèg yo c'est créer instabilité pour yo kembe pouvoir c'est créer gang c'est créer banditisme d'état pour yo ka kembe pouvoir tous les coups véritable perdant c'est nous mêmes ou font long plaidoyer Monsieur Philippe, sous nécessité qui gagne pour l'armée ta opérationnelle qui te ka aider résoudre problème insécurité, hein? Qui te ka aider résoudre problème gang. Non? Monsieur Philippe, donc, journée aujourd'hui là, est-ce que vous pensez si nous prenons l'armée qui est opérationnelle, l'armée qui est efficace, est-ce que vous pensez que le pays n'a pas disparaître? Si c'est l'armée Napton qui pourrait avoir résultat avec problème de sécurité, le pays n'a pas disparu de nous? Oui, c'est-à-dire que nous avons des salines, le premier empereur haïtien, qui a gagné en pile foudre, qui a gagné indépendance, ensemble avec toutes ces réactures, et bon, belle bataille qui a fait dans le Capio en 1802. Donc nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de rester dans l'esclavage encore. Même Jean que de Saline te dit, et si que nous voulons rester dans fort là, que nous, ça que voulait sortir comme esclave, et quitter l'esclavage, viens côté moi, et puis ne pas faire ça encore. Donc on y a là, nous-mêmes comme étant des Haïtiens qui vivent dans terre étrangère, et moi-même dans terre étrangère, un petit bout de temps encore, parce que mon nostalgie est là. Donc nous, c'est nous-mêmes qui devons passer comme étant. Qui ont des salines, qui ont tous ces ouvertures, pour nous capables de mettre une main, hein, comme, et pour nous retirer les vagabonds, même si on a retiré l'armée française là, en Haïti. C'est nous-mêmes, comme étant en dehors du pays, qui pouvons mettre tête ensemble, pour nous faire des combats, pour nous retourner dans le pays, nous, pour le développement, parce que Haïtiens, qu'on y a qui a vivent en Haïti, pas qu'à faire rien.
cette diaspora qui peut retourner en Haïti, qui pourra montrer à Haïtiens qu'est-ce que ça veut dire le développement. Parce que tout Haïtien directement qui était doué, fait pays à marcher. Donc en Haïti encore, nos intellectuels, ils ont été en Haïti, ou pas qu'ils ont en Haïti encore, ils ont quitté pays. Par l'école, moi-même, je viens de l'école en Haïti, je fais primaire. Et si ma comparé dans l'école nationale république du Paraguay, à aujourd'hui, on est dans le philo, mes amis, tout le cas d'ailleurs, j'ai lu son. Parce que, pour parler d'éducation, d'éducation occasionnée. Oui, monsieur Philippe, et vous avez exposé. Ou t'as exposé le tempérament de Saline et force de caractère de Saline que je ne veux dire là, en pile haïtien pas gagné. Et comme si nous gagnons pas petit de Saline. Eh bien, laisse-moi dire quelque chose. Il y a un pile haïtien qui parle qu'on a histoire. Mon professeur qui était dans l'Institut Saint-Ouverture, là, que nous avons fait 5e, il était exposé dans la littérature, il était fait sciences sociales. Il dit, mais je suis dit, laisse-moi vous dire quelque chose. Parce qu'on est qu'une personne ou une nation qui n'honore pas son passé, et mon ne sait pas un bon avenir, pas un bon avenir, il me dit pourquoi. Il dit, moi, et ça était toujours en pensée, moi. Il dit, mon père est des salines, hein, des salines, t'as que nous gommons. Il déclare, il dit, que ceux qui veulent rester esclaves des Français sortent du fort. Que ceux, au contraire, qui veulent mourir en homme libre, se rangent autour de moi. Non, malgré ça, oui, Dessalines devient, n'est-ce pas, meneur de la révolution en juin 1918. Bon, tout le monde constate, moi, à 48 ans. Moi, à 48 ans, mais il y a été connu, le 8 octobre 1954, le temps au Caï. Les Haïtiens ne sont pas tous de leur passé. Donc, il faudrait qu'on comprenne le passé où, pour qu'on parle de futur. Haïti, c'était la plus belle. Bon, on a vu ce qui va passer. En passant, et pourquoi qui est-ce qui était Vincent, ancien président Vincent? Mm-hmm. Eh bien, c'est 5e mari à papa, non? Ah! Grand papa. Ou de souche présidentielle. Voilà! Ah, parce que grand-grand, c'était la famille Vincent qui a Jérémy. Donc, c'est ça que nous expliquons. Si on regarde l'histoire d'Haïti, nous avons un empereur d'Haïti qui était balantique, n'est-ce pas? Empereur Jean-Jacques Cognet. Mais Dessalines, malgré le Jean-Jacques Dessalines, oui, ce n'était pas son nom. Il y a un monde qui ne connaît pas qui Jean Dessalines Terrelé. Il n'y a pas de vrai nom. Donc, qui ça y a un monde capable de dire de ça? Ce n'est pas Bloc qui a assassiné Dessalines, non. C'était nous-mêmes, Haïtiens, qui a assassiné lui. Et puis, on dit carrément que c'est Bloc qui a assassiné lui. Même Jean Claude du Jovenel Moïse, c'est Bloc qui a assassiné lui. Dessalines mourit sous base idéologique, il était gain position, il était gain vision, il était ouais, et tout haïtien c'est haïtien, pas de question nèg en haut, nèg en bas, là, tu comprends? Chaque monde te replace et c'est haïtien qui te mène combat bataille pour indépendance. Nous pas de faire une bataille pour indépendance et puis c'est l'autre groupe monde, l'autre race monde qui pral vinn profiter de terre, qui pral vinn profiter et de pays, on pas trop comme ça. Et je ne veux pas dire, si nous regardons... Oui, c'est ça, dit. C'est ça, dit, on dit, autoritaire. Et je ne veux pas dire, si nous regardons, nous, ouais, toute bataille des salines, toute lutte qui a mené à travers l'histoire, là, pour payer un patriote, oui. Pas de pression, et puis, on regarde, c'est même haïtien qui prend payer pour des bails blancs. C'est même haïtien, oui, encore qui prend payer, qui dit, communauté internationale, même pays, nous, même boule nous jouer. Binu, Madame Aline, Jean-Claude. Oui. C'est eux même encore qui participent à écraser la société. Et la dernière question qui est extrêmement importante. Nous avons considéré oui. Depuis après 86, régime dictatorial, autoritaire, régime crasé. Nous venons rentrer dans l'ère de la démocratie. Une démocratie que un pile monde pas comprendre sens, un pile monde pas comprendre et ça implique vraiment.
caractéristique démocratie. Moun yo pense oh démocratie et liberté la parole pour nous dire ça nous voulons jeune pito pour nous choisir pour aller à l'élection voter. Ça c'est un ensemble d'attributs, mais démocratie on demande tout nous même en tant qu'haïtien pour nous impliquer nous dans la vie politique, pour nous décider, etc. Il y a un paquet d'acteurs politiques et monsieur Philippe qui t'a servi l'intérêt blanc depuis un bon bout de temps. N'a pas gardé là depuis un mois octobre 2022 passé à là, États-Unis, Canada, y a sanctionné nèg yo du, y a sanctionné yo, saisi kayo bien yo gen aux États-Unis, au Canada, etc. Ou même en tant que moun qui fait politique, moun qui a fait des analyses politiques, qui a gardé parcours politique, ou paquet moun qui gen yon vision sur ça qui a passé en dedans pays. Est-ce que vous pensez sanction ça yo? Que États-Unis, Canada prend compte des différents mondes élites politiques et économiques de leur pays. Est-ce qu'on pense que ces sanctions suffit pour exclure les gens de leur politique de la République? Le n'a constaté façon même acteur ça yo utiliser peuple haïtien, utiliser faiblesse moun yo grand gros. Est-ce qu'on pense que nous gon peuple qui gon mémoire vraiment qui ka dit que ah et nèg sa yo m'a campé loin yo nèg sa yo c'est criminel yo nèg sa yo c'est yo participé dans crase pays. Est-ce qu'on a nous un peuple comme ça, nous une société côté qui cabay nèg sa yo leçon vraiment par rapport avec ça international là t'a reproché? Eh bien, depuis qu'on prend sanction ou pas mettre des barreaux, c'est pas vraiment ça. Donc il a dit que avant de arriver dans zone contre il voyait aller, tu me dis peuple là quelque chose à dire la démocratie. Mon démocratie a sorti en mot grec et les démocratia et de démo, c'est-à-dire peuple, kratos, il dit kratos, c'est-à-dire l'autorité de la démocratie, c'est le pouvoir du peuple pour le régime politique. Alors j'ai appris les Jean-Claude Duval et François Duval et le régime. En pile, mon cousin a demandé pour qui ça? Jacques Duvalier, à François Duvalier, pas là encore. Il a demandé le retour de Duvalier. La nostalgie. Nostalgie. Le pouvoir mise, le légitimé. Ça veut dire que c'est ça, c'est la démocratie. Hein? C'est tous les pouvoirs qui doivent être exercés par le peuple et ses représentants. C'est peuple-là. C'est ça, vous dit. C'est pas le goût. Le peuple a tellement mis le goût de la main, monsieur, et puis monsieur va s'en aller pour vous. Pour y avoir cette gang, le bail. C'est gang. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire, la démocratie? Il faut dire que nous, le peuple a besoin, comme ça, elle est, parce que le peuple est ignorant des choses. Okay? C'est comme si nèg yo t'ai tout payé moun yo, oui là ba remis le goût de l'antisac du yo t'ai tout payé yo. Donc là yo vini kouni a yo pral rentrer tout comme yo t'ai fait dans campagne là. Pour moi, parce que là que nous avons mis le goût de là, ou pas qu'à alcooter encore pour dire mon nom comme ça et que nous devons faire route, nous devons vous bâmer de l'eau, nous devons vous bâmer quelques panneaux solaires parce que pas de courant. Mais tout, l'autre aspect qui est extrêmement important. Et en Haïti, c'est tellement pas gagné décentralisation, pas opérationnel. Nous gagnons pas la non décret là, yo mette l'on coin, mais pas opérationnel. Nous pas demander un sénateur avec un député pour le faire route. C'est pas job li. Job sénateur à député, c'est faire loi. C'est parlement. On y a, c'est qui wall magistrat, qui wall délégué vilain, qui wall assemblée communale, kazek, azek. C'est ça qui wall yo. Magistrat, on gagne pression, pas même connaît si yo c'est premier citoyen, ville, yo a exercer autorité. Tout bagaille, c'est l'État central. C'est le ministère intérieur qui peut payer l'argent pour payer les gens qui travaillent dans la commune. Comme si l'État tellement désorganisé, même ça qui est vraiment constitutif pour la base de la démocratie, tellement institution pas fonctionnelle, nous perdons sens toute bagaille, valeur, toute bagaille, tout le monde a pour que les affaires par monsieur Philippe. Donc, monsieur Philippe, by dernier mot, là, parce que nous allons faire mes émissions, c'est vraiment intéressant de débat, ça, dialogue, ça, nous avons fait ensemble. Et qui dernier mot à quitter et pour auditoire là, pour moun captain d'eau, pour moun qui a regardé émission en un moment là par rapport avec sa chagrin haïtien à vivre dans le pays comme
comme drame, comme problème politique, comme et crise, comme en crise d'angoisse yo gen à cause insécurité, kidnapping qui va le terrain. Et hier nous apprenons pas qu'on elle m'a tout douli. Hier dans zone bon repos, on minibus scolaire, bus abonnement yo, gang ni décidé yo kidnappé bus là avec tout élève, tout petit moun yo sont derrière l'école yo à la avec lui. Et bye bye moun yo parole espoir non monsieur Philippe avant aller. Merci beaucoup. Et m'a dit un haïtien, hein? Et soleil a été éclairé encore. Et là que nous dit soleil a été éclairé encore, ça veut dire que les gens Haïti qui sont habitués, ils vont retourner encore. Il y a des monde qui dit Haïti par les voyages ont changé. Ça, c'est le monde qui m'a dit qui est anti-haïtien, anti-peuple, anti-démocratie. Un monde qui dit que Haïti a toujours été jeune déjà. Et dans ce temps encore, Haïti est pour devenir notre pays, même gens avec tout notre pays, toute notre nation qui a fait nos passer misère qu'on a dit qu'il faudrait que nous allons en ligne pour avoir un visa à la mer. Et très bientôt, nous disons que c'est notre consulat nous pour y aller, pour y aller acheter visa, pour y aller payer pour visa, pour y aller, n'est-ce pas, dans le et contrôle pour y aller dans l'interview, même gens qui ont été faits, non. Tout côté, cap fait non, cap battre non, cap tuer non, cap faire pas la misère, cap dire non, PSC, c'est PSC là, il y a pas nos visas pour venir travailler, pour venir c'est ça, il y a pas nos cartes là, là-bas ceci, pas haïtien, pas découragé, pas découragé. Et même du sénateur New York, Jean-Saud Diaz, à député New York, le bien pouvoir pour nous proposer des textes de loi et pour nous proposer loi que y aurait qui doit un projet de loi. Yo doit discuter, amender à avancer les lois. Dans le cadre pour nous contrôler le gouvernement, c'est à relayer, c'est pas un mi-goud, tant pour être ici. Il y a pas une élection encore, c'est pas une élection sous le gouvernement qu'il a connu, tant pour. Pas quitter aucun candidat, venir côté où, sans qu'elle pas gagne une bonne politique de développement. Pour le qui ça le poil fait pour toute nation, c'est pas pour un département seulement. Au dire qu'il y a un président, un candidat, dis-nous exactement qui ça le poil fait pour le peuple là. C'est pas pour famille, c'est pas pour le premier ministre. C'est pas pour rien. Nous besoin santé. Nous besoin l'hôpital dans chaque département. Nous besoin clinique dans chaque département. Nous besoin nurse. Nous besoin gros. Nous besoin système électrique. Nous besoin santé. Nous besoin des hommes sérieux pour le développement de la patrie haïtienne. Nous-mêmes qui avons souffert, nous-mêmes qui étions perdus, car nous avons tremblement de terre. Nous-mêmes qui avons couché sous roche. T'as pris. Patience, et pour le gain de délivrance. Parce que dans l'histoire de la Bible, il faut nous connaître que le peuple Israël a souffert en Égypte pendant 400 années. Nous-mêmes, nous n'étions pas seulement indépendants depuis 1804. Et en 1888, il était sorti pour débombarder nous pour 10 millions de dollars. Et nous avons fait back, nous avons obligé de payer. L'agence a, nous avons pour nous récupérer encore pour investir dans le pays. Tout le monde, exactement, qui connaît, qui n'a pas mal fait un lien pour le pays d'Haïti, et au bas de l'eau, nous avons besoin de monde qui peut développer Haïti. Pas seulement M. Fatra. Et Fatra, c'est pas seulement à voler l'argent pays, parce que nous dit à tout peuple, qui mettait sanctions sur tout le vagabond qui détruit le pays d'Haïti, qui volait l'argent, qui mettait une bandit dans le pays, que tout le monde sera capable d'arrêter. C'est pas seulement par les sanctions. Tant pis, papa haïtien, patience pour le développement du pays. Merci. Merci Yannick. Merci M. Philippe et merci pour temps, pour disponibilité. Parce que l'important pour nous parler avec les pays, l'important pour nous parler avec le peuple, pour nous parler avec les sociétés, par rapport avec les problèmes qui a plongé Bilno, qui a tracassé Bilno. C'est un plaisir, rendez-vous à la casse pour l'autre occasion avec sûrement yon lot haïtien qui conséquent qui voulait parler de problèmes pays. Merci M. Philippe et bonne journée.
Moi, pour remercier. Je nous saute garder là avec moi, débat très intéressant. Yon haïtien conséquent, yon haïtien qui remet pays, qui voulait partager opinion avec société, avec auditoire, tout haïtien qui voulait pour ton message de changement, message de renaissance, qui gué mon parle pour le dire. Nan problème pays, nan problème ka prolonger bil société a, ou bon expertise ou vle partager, ou bon opinion vle faire passer, ou frustré par rapport avec problème insécurité par rapport avec décision politique nèg yo a pran la ki pa utile pays a rien. Espace libre opinion c'est pour vous. Jean nous te commencer faire les gens a continuer faire là, ou même qui intéressé pour participer, ou même qui intéressé pour parler avec nous, pour parler avec le public là, ou ka toujours contacter dans numéro émission micro ouvri pour tout le monde sans distinction. Et monsieur Philippe li saute bay point de vue parle sur situation paysan, li fait des propositions dans ça qui gen pour avec problème insécurité qui a prolongé mille société an, gang qui pas jamais suspendre terroriser population an. Pour monsieur Philippe Donald Philippe c'est rivé rétabli l'armée d'Haïti, mettez l'armée opérationnelle depuis dans l'école, depuis dans la classe 3e secondaire, retourner avec service militaire. Li pense c'est ça qui ca aider paysan, c'est ça qui ca parer coup pour nous dans ça qui gen pour avec gang bandi qui a terroriser population. C'est une proposition qui louable, une proposition qui est placée sous table. Et je ne veux dire, nous avons l'armée, nous avons brillé l'armée, le président Jovenel Moïse te quitté, mais depuis 19 mois là, pas rien, il y a qu'à régler, pas rien, il y a qu'à faire vraiment. Et nous comprenons que tout problème et sécurité, gang ou tant de là, et tout le monde a tant de blanc, blanc, blanc pour venir, mais si nous regardons la réalité, nous ne pouvons pas avoir volonté. Nous devons mettre plus de temps, plus d'énergie. Nous devons gaspiller plus d'énergie pour dire blanc vini, pour mettre l'argent pour faire lobby pour blanc vini. Au lieu que nous disons que c'est nèg politique qui est impliqué. Que classe politique dépose derrière l'autre côté sous table pour négocier, pour concerter entre eux, pour jouer une solution. Il y a des nèg dans le secteur économique qui implique tout dans financer gang, parce que il y a des séries de nèg qui ont gros business, gros magasins, gros entreprises dans le pays. Ils sont obligés de monter petit corps gang dans la zone pour protéger l'intérêt, pour protéger le business, pour protéger l'argent. Eh bien, c'est le secteur économique qui implique tout. Deuxièmement, quand nèg sa yo mette derrière yo ensemble, tout nèg sa yo qui gen intérêt économique de dans pays yo, nous gen tan identifié, nous indexé, nous dit c'est yo k'ap bay gang moyen financier. Et c'est pas seulement nous-mêmes. Nous wè ki décision États-Unis prend, nous wè ki décision Canada prend, non seulement yo sanctionné, mais j'aime so dou nan commencement émission avec projet de loi ça que sénateur américain yo, que sénat américain réintroduit là côté yo pral prend sanction qui pi lou, qui pi red, qui pi du, qui pi tof contre élite en Haïti, ni élite politique ni élite économique. Nous même là nous gain intérêt. Si Ariel la gouvernement là te vle fè un bagay, c'est pas seulement voyager, faire show off, faire on même show etc. Ariel t'a pas nécessité. Dernière fois Ariel font discours. Et après, elle te fait un bon bout de temps, elle va te parler, elle vient parler, elle vient faire connaître, oh, et li pas dans tête langue avec bandit, et que depuis ce monde qui a parlé, gouvernement le mal, depuis ce bandit qui a théorisé la population, qui parle de monde fonctionner, la prend sanction contre eux-mêmes. Côté sanction, li promet la débloquer Matissa, côté Matissa. Donc, ça doit préoccuper nous, ça doit interpeller nous, et nous devons commencer à assumer responsabilité nous. Ou avec espace libre tribune ça, libre opinion ça. Libre opinion, li là pour nous parler de pays. Ou gen tribune nan, mi kwa c'est pour ou li, mi kwa ouvert pour ou. C'est comme si c'est dans la kaouchita ou partager opinion. Ou pa gen pou pè pès moun. Ou pa gen pou prendre pression pièce moun. Parce que jounen jodi an, sa kap traverse pays, li implique nous tout. Li touche nous tout. Ou pa ka quitter la kayou pour aller travailler. Ou pa ka quitter la kayou pour font ti sorti à l'on zami. Pour mener petit tout l'église. Même l'église ou pa ka aller. Ou on dans l'église ou vin kidnappo. Donc là nous fini. Donc si nous jugez bon pour nous gon l'autre pays, l'autre société, ben faut nous parler. Libre opinion c'est espace pour.
émission c'est espace sport, pas hésiter et écrire relais pour dire Yannick, moi préparé mon gros speech, mon gros discours là, on voulait faire le passer, c'est avec un plaisir ça fait. Et dernier mot, c'est partager vidéo, on sait pourquoi abonner à la chaîne là, m'a fait vite abonner, activer petite cloche notification et qu'on soit pas prêté aucune vidéo n'a bien pour poster. Déjà m'a souhaité un très bon week-end et m'a rappelé une autre fois encore. Dernière présentation, c'est toujours même Yannick la même voix et pas changé. Merci tout le monde. À très bientôt. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remet pays, et puis on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial nous dit tout. Mon éditorial. Émission mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si le dit pour y faire vendredi, monsieur Chanel par là pour qu'il bien informé avec Yannick. Mon éditorial. Nous bral la balle pays, nous bral le débat, c'est toujours même Yannick là, même voix.